Merci d'avoir envoyé ton Fils unique dans ce monde de péché, pour mourir pour chacun de nous à la croix du calvaire. Nous demandons, Seigneur, que les avantages du sacrifice de Christ soient accordés à chacun de nous au nom de Jésus-Christ, et que tout ce que le calvaire a pourvu, tout ce que Christ a donné lorsqu'il est mort à la croix du calvaire, soit le nôtre au nom de Jésus-Christ, pour l'esprit, pour notre âme, pour notre corps, pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour toute l'Église entière, pour ceux qui doivent venir. Nous prions que ta bénédiction coule dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde te retrouve, étant leur suffisance, et que tous les besoins de nos vies soient subvenus, Seigneur, et que nous ayons la possession pratique de tout ce que tu as pourvu. Nous te remercions parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amen avant de vous asseoir. Merci beaucoup. Assoyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Nous allons maintenant à quelque chose de très important, d'essentiel pour vous, de connaître pour moi, de savoir pour vous, de posséder et de préserver ce que Dieu a amené dans votre vie. Et il fait cela au travers du sacrifice de Jésus à la croix de Calvaire. Et nous dit que quels que soient les besoins, quel que soit ce qu'était le besoin, il y a la suffisance au calvaire. Il y a la suffisance à la croix. Il y a la suffisance en Christ. Que tout ce dont vous avez besoin dans le passé, tout ce dont vous avez besoin présentement, tout ce dont vous aurez besoin, le calvaire a payé tout le prix et c'est disponible pour vous. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux pour mieux comprendre et voir. Et vous verrez cela au nom de Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu qui est son sacrifice, notre suffisance. Son sacrifice, notre suffisance. Quels que soient les besoins dans votre vie, que ce soit spirituel, matériel ou physique. Quels que soient les besoins de votre vie. Comme vous voyez les gens autour de vous, voyez ce monde, voyez les besoins de chacun, quels que soient les besoins, le calvaire a payé tout le prix. Et gloire à Dieu. Alors, il a payé le prix pour vous. Je dis, il a payé le prix pour vous. Son sacrifice, notre suffisance. Voyons, 1 Corinthiens 5, 7. Nous allons voir son sacrifice qu'il a fait pour nous. Et c'est dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, le Fils de Dieu, car Christ, le Rédempteur, car Christ, le pourvoyeur de toute bénédiction est mort pour nous à la croix du calvaire et s'est dit, il est notre Pâque. Vous rappelez bien la Pâque. Vous êtes étudiant de la Bible. Lorsque les enfants d'Israël en Égypte et ils devaient passer à une nouvelle terre, à un nouveau lieu, et ils doivent alors ils doivent faire sortir toute maison de la maison d'Égypte. Le Seigneur dit, je verrai le sang, je passerai pas dessous vous. Et Jésus était sacrifié en tant qu'agneau de Dieu qui a ôté tous les péchés du monde et toutes les conséquences du péché jamais commis. Alors il est venu révoquer tout ce que Adam avait fait et dit maintenant que Christ, notre Pâque, Christ, l'agneau pascal, a été immolé. Et ce sacrifice nous suffit. Ce sacrifice est plein. Ce sacrifice détient le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est dit ici que Christ s'est offert pour nous. Il s'est livré lui-même pour nous. Il s'est soumis à la mort du calvaire. Alors, il s'est donné en offrande comme sacrifice et c'est le sacrifice qui ôte la pollution du péché, la pénalité du péché, le mal du péché, l'amende, le mal que le péché a amené sur Adam et Ève dans ce monde. Et c'est dit maintenant, c'est à cause de son amour, parce qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même. C'est parce qu'il le fera, c'est déjà fait. Le prix pour votre salut déjà payé, le prix pour votre guérison déjà payé, le prix pour la sanctification, la sainteté déjà payé, le prix pour tout besoin de votre vie déjà payé. Alors, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et je prie que tout besoin de votre vie, que le sacrifice de Christ l'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un me la dira Amen. On va aux Hébreux, chapitre 9. Voici ce que le Christ, son sacrifice, a fait et ce que cela a accompli. Ce que cela doit faire dans votre vie, dans votre famille, ce que cela doit faire dans la vie de chaque croyant, ce que cela doit faire dans la vie de tous ceux qui viennent au Seigneur. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. C'est-à-dire lorsqu'il a fait le sacrifice, et ce sacrifice acceptable, et il est allé avec son sang au ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. De comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Oui, en tant que notre avocat, pour nous, en tant que notre sacrifice, pour nous, en tant que notre substitut, pour nous, en tant que celui qui a payé le prix pour nos péchés, l'amende de nos péchés. Alors, il est allé vers Dieu, il est allé au ciel avec le sang de la sacrifice. Il a comparu devant Dieu pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Voilà ceci. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, le sacrifice est mentionné. C'est ce que Christ a fait. Dieu merci, il a fait pour vous. Dieu merci, il a fait pour moi. Il a fait pour tout le monde. Je prie que ce sacrifice s'accomplisse dans chaque vie, même ici ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et comme vous invoquez le Seigneur, alors vous ne cherchez pas un animal, vous ne cherchez pas d'autres choses, vous n'invoquez aucun autre nom. Vous venez au nom de Jésus-Christ. Celui qui a payé le prix pour vous, vous savez, il est notre sacrifice, il est notre suffisance et il est suffisant pour tout besoin dans votre vie. Donc, Hébreux 10, verset 12, Hébreux, chapitre 10, verset 12, Hébreux 10, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, et il a offert un seul sacrifice, un sacrifice final, un sacrifice agréable, comme un sacrifice complet, un sacrifice qui plaît à Dieu pour les péchés, pour nos péchés, pour vos péchés, et pour toujours, cela ne doit plus être fait. Cela ne sera plus répété, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Voilà le verset 14.
car par une seule offrande, par un seul sacrifice, par ce sacrifice final, par ce dernier coup qu'il a frappé à la croix du calvaire, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand nous parlons du sacrifice de Jésus-Christ, vous devez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont avec ce sacrifice. Numéro 1, il y a la souffrance dans ce sacrifice. D'autres choses, il y a des fouets, il y a des coups mis sur lui pour le sacrifice, comme on pense à tous les meurtrissures, la souffrance, le sacrifice et l'offrande et toutes choses, tout est venu pour pouvoir tout ce dont vous aurez besoin. Et on supplie le Seigneur sur la base de ce sacrifice. Et Dieu merci, vous verrez le Seigneur suffisant pour vous aujourd'hui. Son sacrifice, notre suffisance. Christ, le sacrifice de Christ est suffisant pour tout chrétien, sa suffisance pour tout croyant, sa suffisance pour tout besoin. Ce message sera vu sous trois points. Numéro 1, la suffisance de ces meurtrissures pour notre guérison et notre santé. La suffisance de ces meurtrissures pour notre guérison et pour notre santé. Numéro 2, la suffisance de son sacrifice pour notre sainteté de cœur. La suffisance de son sacrifice pour notre sainteté de cœur. Numéro 3, la suffisance de sa souffrance pour notre sécurité, pour notre habitation au ciel. C'est le but, c'est la destination, c'est la chose finale. Ce dont on a besoin dans l'éternité, là on restera dans l'éternité. Et vous voulez avoir une demeure au ciel pour toujours. Vous voulez sécuriser ce lieu-là. Et la seule manière de le faire, c'est de venir à Christ. Christ est venu dans ce monde et il a porté votre punition, votre châtiment pour vous sécuriser une demeure au ciel. La suffisance de sa souffrance pour nous sécuriser une habitation au ciel. Numéro 1, la suffisance de ses meurtrissures pour notre guérison et notre santé. Quelle que soit la condition de votre santé, quel que soit le défi de votre santé, ces meurtrissures suffisent pour vous guérir et vous garder en bonne santé et vous garder bien portant tous les jours de votre vie. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 53, je lis verset 3, cela parle de Christ. Dans une perspective prophétique, cela parle de Christ avant que Christ ne vienne dans ce monde. Et il est venu nous dire ce que Christ fera. Et comment Christ sera reçu et rejeté. Comment il mourra, comment il paiera le prix pour tout ce dont nous aurons besoin du ciel. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. À cause de nos transgressions, à cause de nos péchés, les péchés du monde entier et vos péchés inclusivement. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Les mains blessées, les pieds blessés, la tête blessée et la lance qu'il a percée. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi le reste là. Et c'est par Jésus, dites-moi le reste avec la voix d'un prédicateur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ces meurtrissures
suffisent pour notre guérison. Il continue de le dire au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous venez aux côtés de Dieu. Vous venez à côté de Dieu. Et Dieu met toutes vos iniquités sur lui. Seigneur, je m'accorde avec cela. Seigneur, je me soumets. Seigneur, j'accepte cela. Et vous aurez le salut au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Que c'est un exemple pour nous. Que c'est un exemple pour vous. Après être venu dans le royaume, vous êtes affligé. Vous êtes opprimé. Vous êtes privé de votre droit. Vous n'ouvrez pas la bouche à personne. Vous allez prier, le Seigneur vous exaucera. Mais ces afflictions sont ôtées. Ces persécutions, vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Comme la parole de Dieu nous assure ici, de façon prophétique, en voyant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il fera, c'est dit que ce n'est pas un meurtrissure que nous sommes guéris. Alors, il a ôté notre chagrin, notre opprobre, il a porté notre maladie, il a tout ôté. Voyons l'accomplissement en Matthieu 8. Voyons l'accomplissement en Matthieu, chapitre 8, verset 16, qui nous dit: le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit combien d'entre eux, et il guérit combien d'entre nous, et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il apprit, cela parle des douleurs corporelles, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a ôté vos maladies, vous n'allez plus les porter. Il a ôté votre fardeau, vous n'allez plus le porter. Il a ôté l'oppression, vous n'allez plus la porter. Il a ôté le joug, vous n'allez plus le porter. Et il a ôté les malédictions, vous n'allez plus les porter. Jésus-Christ, par ses maîtrissures, il a tout porté. Et il s'est dit, c'est par ses maîtrissures que vous êtes guéri. On va à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2:24. 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est ce que Calvaire a fait. Lui-même, lui, qui, Jésus lui-même, lui, le maître de toutes les circonstances, lui qui a porté le merci attendu, lui, notre substitut, lui, notre sauveur, lui, notre rédempteur, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est dit, lui par les meurtrissures duquel, dites-le moi, lui par les meurtrissures duquel, criez-le, vous, et il faut le personnaliser, lui par les meurtrissures duquel, j'ai été guéri, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Comme vous croyez à cela, je n'ai pas dit si vous croyez à cela, parce que je parle aux croyants. Et y a-t-il des croyants là-bas? Où sont ceux qui sont croyants? Où êtes-vous là-bas? Et c'est dit, je n'ai pas ici, je dis, puisque vous croyez cela, parce que vous croyez ceci, que Christ a payé le prix, c'est par ses maîtrissures, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Toutes les promesses que vous lisez, que le Dieu Tout-Puissant a donné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, alors tout est venu au point culminant au calvaire. Tout ce que Dieu a dit qu'il fera, qu'il guérira votre corps, qu'il rendra votre corps bien portant, maintenant au calvaire, alors
va ôter toute maladie et vous rendra bien portant au nom de Jésus-Christ. Alors comme on voit les promesses de guérison dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on va voir que par ces maîtresses, oui, ces paroles seront accomplies. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Si il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez encore cela. Il dit, voici le Dieu Tout-Puissant qui parle. Que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, attendez un peu. Vous ne faites pas toujours ce qui est droit devant l'Éternel, mais c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu accomplir la loi de Dieu pour vous. Parce qu'il a accompli la loi de Dieu pour vous comme votre substitut, Dieu vous regarde maintenant et il met la justice de Christ sur vous. Et la condition que vous ne pouvez pas remplir, Dieu merci, Christ l'a rempli pour vous. Il dit, la condition a été remplie en Christ. Et dit, et Christ a rempli la condition en votre faveur. Par Jésus-Christ, par votre substitut, par celui qui a porté vos souffrances. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Oui, les Égyptiens étaient les peuples. Les gens du monde, ces maladies d'Égypte, du monde, seront ôtées de vous. Dieu vous en affranchira. Et c'est dit, car je suis l'Éternel qui te guérit, il vous rendra bien portant au nom de Jésus-Christ. Et, d'une part, la guérison, d'autre part, la santé. D'une part, il ôte les maladies qui sont là, d'autre part, alors il les éloigne de vous, que ces maladies ne reviennent plus. Je vois une personne bien portante. Je vois une assemblée bien portante. Vous serez bien portante au nom de Jésus-Christ. Votre famille sera bien portante au nom de Jésus-Christ. N'allez pas mourir la mort des méchants au nom de Jésus-Christ. Voyons, Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il est notre suffisance. Il suffit pour tout besoin. Il suffit pour toute requête. Il suffit pour toute prière. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien d'iniquités pardonne-t-il? Qui guérit? Combien de maladies? Toutes tes maladies. Gloire à Dieu, cela s'est déjà accompli. Et c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il y a la suffisance ici ce matin, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il va renouveler votre vie. Il va ôter toute maladie et toute infirmité et toute oppression qui vous a dérangé jusqu'à ce jour au nom de Jésus-Christ. Après vous avoir guéri, il éloignera ces maladies de vous. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait. Et il vous dit maintenant ce que vous devez faire. C'est d'agir. C'est comme le salut est disponible, ce qu'il vous faut faire, c'est d'agir. C'est de demander. Le pardon est disponible, ce qu'il faut faire, c'est de demander. La guérison est disponible, ce qu'il faut faire, c'est de demander. La victoire est disponible, ce qu'il vous faut faire, c'est de demander. Nous allons à Jérémie 33. Jérémie 33. Nous lisons le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà le verset 6.
Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il me donnera la guérison. Maintenant, il parle de la santé. Et que je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Maintenant, Christ est venu dans ce monde. Vous connaissez bien l'histoire. Il allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et avant de quitter, il nous a donné l'usage de son nom. Et dit tout ce que nous demandons en ce nom-là sera accordé. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Je dis, nous avons le nom de Jésus-Christ. En ce nom, il y a le salut. En ce nom, il y a la guérison. En ce nom, il y a la réponse aux prières. En ce nom-là, il y a la joie. En ce nom-là, il y a la paix. En ce nom-là, il y a la possession de toutes les promesses du Seigneur. Cela vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de, que quelqu'un crie pour me dire le nom là, au nom de, que Satan attende, au nom de, que le ciel entende, au nom de, que le nom là pénètre toutes les maladies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant que quelqu'un crie au même instant. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Ouais, ils étaient remplis de surprise, mais rappelez-vous, c'était pas les meurtrissures de Jésus-Christ. Les gens vous verront et vont s'étonner. Les gens vous verront et seront sidérés. Verset 11, comme une qui était par Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si ce n'était pas notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Il est toujours glorifié. Je dis, il est toujours glorifié. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis, qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de vie, de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16 maintenant. C'est pas la foi en son nom que quelqu'un dise. La foi en son nom, dites cela encore. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Où est l'homme là? A raffermi celui que vous voyez. Quel est l'homme là? Où est la femme là? A raffermi celui que vous voyez, connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le Seigneur le fera. Je dis, le Seigneur le fera. Alors, il demeure toujours le même. Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant combien de personnes ici ce jour, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. A-t-il changé?
les meurtres sûrs ont-elles perdu leur pouvoir? Non. Pas les meurtres sûrs de Christ, en sont toujours guéris. Que dit la Bible à Hébreux 13? Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous rejetez la maladie, cette maladie doit quitter. Si vous dites non à la maladie, cette maladie-là doit quitter. Si vous dites non, ce n'est pas à moi. Votre corps est là, vous êtes présent là-bas, mais vous dites non. Ceci c'est étrange. Ceci c'est une chose étrangère. Qu'est-ce que ceci cherche ici? Et vous amenez le nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, vous dites va. Qu'est-ce qui va se passer? Cela va partir au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons. Deuxième roi 20, verset 1, deuxième roi 20. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est là que certains cèdent. Alors, ils cèdent leur désir de vivre. Ils se résignent. Quelqu'un est venu, même Esaïe, le grand prophète de Dieu, lui dit que donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Attendez. Est-ce que je peux dire cela? Oui, c'est pourquoi Christ est venu. Oui, tu peux ne pas le dire. Tu n'as pas marché avec le cœur intègre. Mais regardez, Jésus, votre substitut, votre sacrifice, il est notre suffisance. Vous pourrez ne pas parler comme Esaïe a parlé, que j'ai tout fait avec droiture. Mais Christ, en votre faveur, a tout fait parfait, a tout fait parfaitement. Et dit, et j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel répandit d'abondantes larmes. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. Toute prophétie négative est révoquée en votre faveur. Le Dieu, il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Le Seigneur, est-ce que vous avez prié depuis qu'on est arrivé ici? J'ai entendu ta prière. Est-ce que vous avez prié aujourd'hui? J'ai entendu ta prière. Est-ce que vous avez fait une requête au Seigneur aujourd'hui sur vous-même, sur votre femme, sur votre mari, sur votre enfant, sur un enfant? Le Seigneur dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Pourquoi votre âme est faible? Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours, il faut le dire pour vous-même, 15 années. Et j'ajouterai à tes jours, combien? 15 années. Et j'ajouterai à tes jours, 15 années. Plus d'années de service pour vous, plus d'années pour servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, j'aime cela. Parce que Christ s'est sacrifié et il suffit pour nous. Cela est pour notre guérison, pour notre santé. Deux, la suffisance de son sacrifice pour notre sainteté de cœur. Tout ce que le Seigneur exige dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament,
Christ est venu l'accomplir pour vous et pour nous. Il exige la sainteté du cœur et Christ est venu pour voir cela pour vous et pour moi. Et Jésus-Christ suffit pour nous. On ne doit pas ajouter quelque chose d'autre. Il ne faut pas ajouter la philosophie, il ne doit pas ajouter les efforts humains. Christ a tout fait lorsqu'il est allé à la croix du calvaire. Et vous venez au sang qui purifie, le sang qui lave plus que la neige. Christ vous rendra plus blanc que la neige. Et on va à Lévitique chapitre 20, verset 7, qui dit... Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Jésus est le moyen par lequel le sacrifice et la puissance purificatrice vient à vous. Et c'est par ce sacrifice, le Dieu Tout-Puissant vous rend saint et vous sanctifie. Et voici ce que Lévitique a dit. Mais comme nous voyons, Hébreux. Chapitre 10, Hébreux 10, voilà le verset 10. Hébreux 10, 10. Le verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est l'offrande, c'est le sacrifice là qui nous rend saints. Voilà le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, le sacrifice final et parfait, le grand sacrifice au calvaire, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est par ce sacrifice, c'est par cette offrande agréable, parfaite, agréable à Dieu, qu'il nous purifie. Et cette purification, cette sainteté, cette pureté sera votre nom de Jésus-Christ. Matthieu 5. Nous disons l'importance de la pureté du cœur, de la sanctification du cœur. Et Christ a acquis cela pour nous. Parce que Christ a payé le prix. Alors vous le demandez et ne pouvez jamais dire non. C'est ce qu'il a payé pour cela. Oui, il a fait cela afin qu'il vous le pouvoir. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous verrez Dieu. Je dis, vous verrez Dieu. Mais pour voir Dieu, pour être en présence de Dieu, alors il demande que votre cœur soit pur. Vous ne pouvez pas purifier votre cœur vous-même. Vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. C'est pourquoi Christ est venu faire ce sacrifice afin de vous purifier, afin de vous laver et ôter tout péché, même la dépravation, le péché originel. Et Hébreux 1, 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, parlant de Christ, et l'empreinte de sa personne, c'est de Christ, et soutenant toute chose par sa parole puissante, voyez, a fait la purification des péchés et c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Il a fait la croix de calvaire et a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est fait. Par la foi, vous pouvez la réclamer. Par la foi, vous pouvez l'avoir. Par la foi, vous pouvez la posséder. Dieu merci, il vous purifiera le cœur. Il rendra votre cœur saint. Il vous rendra très pur. Oui, aucune tache du péché originel
ne resteront au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose de très difficile à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il vous a sauvé, peut-il vous sanctifier? Il vous a sanctifié, peut-il vous remplir du Saint-Esprit? Il a fait tout cela, peut-il guérir votre corps? Tout est possible à Dieu. Dans ma vie, tout est possible. Je dis, dans ma vie, tout est possible à Dieu. Dans ma famille, tout est possible. Dans notre église, tout est possible. Acte 15, 9. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Voici Pierre qui parle ici. Pierre dit, nous apôtres, eux sont des païens. Alors, il n'y a pas de différence entre nous, nos juifs et eux païens. Il n'a fait aucune différence entre nous. Nous qui marchons avec le Seigneur et nous avons vu Jésus-Christ face à face. Et ces gens dans la maison de Corneille qui n'avaient jamais vu le Seigneur face à face et dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, il n'a fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Il n'a fait aucune différence entre les parents et les enfants. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Quiconque croit que Christ est le substitut final, le sanctificateur final, sera sanctifié au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. L'apôtre Paul, parlant aux païens ici, qui s'est donné lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, pour accomplir quoi? Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est l'amour dont on a lu au verset 2. Marie, aimez vos femmes comme l'Église a, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Dieu merci, il y a la sanctification et c'est pour vous. Je dis, et c'est pour vous. Où êtes-vous là-bas? Je dis, et c'est pour vous. Il faut le dire, c'est pour moi. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Une église de croyants glorieux, une église d'ouvriers glorieux, une église de dirigeants glorieux. Vous serez glorieux. Un chrétien glorieux, un converti glorieux, un conquérant vainqueur glorieux, un membre glorieux, votre âme s'affaiblit. Un ouvrier glorieux, un prédicateur glorieux. C'est ce qui fait une église glorieuse. Parce que nous tous ensemble, une assemblée des gens appelés, une assemblée des gens qui sont chrétiens, enfants de Dieu, nous venons ensemble en tant qu'église, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tite 2, verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, c'est le sacrifice, c'est la suffisance. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Prenons cela à l'unisson. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Lisez cela.
ce que Dieu veut. Répétez cela, c'est ma sanctification. Je vais vous entendre, le ciel veut vous attendre. Il faut le dire, 1, 2, 3, allez-y. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Oui, il y a des gens, après avoir entendu parler de la sainteté du cœur, la pureté du cœur, et la tentation se présente. Ils ne comprennent pas que la tentation n'est pas péché. C'est en ce combat à cela qu'on a péché. Toute tentation qui viendra à vous, vous allez l'emporter sur cela au nom de Jésus-Christ. Vous dites que cela n'est pas pour moi. Cette sanctification, Dieu merci, c'est pour vous. Partout où vous allez, la sanctification ira avec vous. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Voyons le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est votre appel. Ce sera accompli. C'est votre appel. Le ciel le verra dans votre vie, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, Dieu merci, c'est le type de fils qu'il veut que vous soyez et c'est le type d'enfant que vous êtes. Quel type d'enfant êtes-vous? Quel type d'enfant êtes-vous? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Les jours d'ignorance ont pris fin au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Vous serez saint car je suis saint. Il a fait. Ce sera votre possession. Romains, chapitre 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que vous devez le savoir par expérience, vous devez le savoir personnellement, vous devez le savoir par la connexion avec Christ au calvaire. Il est votre sacrifice, il est votre substitut, il est celui qui vous sanctifie. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dorénavant, nous sommes plus que vainqueurs. Dorénavant, nous sommes vainqueurs. Dorénavant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes ensevelis avec lui. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Cela n'aura pas de pouvoir sur vous. Voilà le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le ciel rend grâce à Dieu en votre faveur. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu en votre faveur. Nous tous, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Alors, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. La grâce est entrée dans votre cœur. Ce sacrifice a pris effet dans votre vie.
je rends grâce à Dieu pour vous. Je dis, je rends grâce à Dieu pour vous. Et le ciel va continuer de rendre grâce à Dieu pour vous au nom de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous allez continuer d'avoir les regards sur Jésus. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur a fait sera permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors quand la tentation se présente, ayez les regards sur Jésus. Quel que soit le besoin, ayez les regards sur Jésus. Et si la tribulation veut vous engloutir, ayez les regards sur Jésus et Jésus vous aidera. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme vous avez les regards sur Jésus, que fera-t-il? Ben, il vous aidera à accomplir à verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Certains d'entre eux sont bons. Certains sont un peu compliqué, certains ne sont pas bons du tout, certains sont simples à aborder, certains sont durs, certains désirent vivre en paix avec vous, certains décident de ne pas être en paix avec vous, mais votre cœur, dans votre cœur, vous avez la grâce abondante et suffisante, et vous serez en paix avec tous au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas lutter. Pourrais-je vous entendre? Vous n'allez pas initier une bagarre. Et si quelqu'un initie une bagarre, vous allez l'éteindre et amener la paix au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout cela, le Seigneur l'a pourvu. Il a pourvu pour vous. Et cela suffit à tout moment que vous invoquez le nom du Seigneur. Vous verrez sa provision, sa grâce. Vous verrez tout ce qu'il a pourvu à la croix de Calvaire. Vous le verrez suffisant. Et cela vous suffira au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. La suffisance de ses maîtres sur pour notre guérison et santé. 2. La suffisance de son sacrifice pour notre sainteté de cœur. 3. La suffisance de sa souffrance pour nous sécuriser une demeure au ciel. Voyons 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, nous lisons le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ aussi a souffert pour vous. Il faut le personnaliser. Et c'est à cela que vous avez été, que nous avons été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour moi, me laissant un exemple afin que je suive ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui est injurié ne rendait point d'injure. Il ne s'est pas vengé, injurié et n'a pas injuré. Et maltraité, il n'a pas maltraité les gens. Ne faisant point de menaces. Tous les pharisiens sont venus. Ils voudraient faire des choses négatives contre lui. Mais il était rempli d'amour. Vous serez rempli d'amour au nom de Jésus-Christ. Maltraité ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui jugeait justement.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtres sur duquel, vous avez été guéri, il a souffert. Il a souffert pour vous. Chapitre 3, 18. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il n'a pas commis de péché. C'est pour les péchés que vous avez commis. Il a souffert, nous parlons de sa souffrance, afin de sécuriser une habitation pour nos cieux. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a souffert, il l'a fait pour vous. 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Cela nous dit à maintes reprises que Christ a souffert pour nous dans la chair. Vous aussi, armez-vous, équipez-vous, gardez-vous, revêtez-vous, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, a cessé de pécher, a cessé le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et voyons 1 Pierre. La raison pour laquelle Christ a souffert pour nous, afin de vous sécuriser une place au ciel, une 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni férir, lequel vous est réservé, dites-le moi, dans les cieux. Est-ce que vous allez au ciel? Je dis, vous irez là-bas, arrivez là-bas, vous allez trouver que beaucoup de choses vous attendent. Beaucoup de choses vous attendent. Et le Seigneur a réservé un héritage pour vous au nom de Jésus-Christ. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Au fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par écrire votre nom dans le registre qui est le livre de vie au ciel. Après cela, il se tient à vos côtés pour vous protéger, pour vous donner tout encouragement possible, pour vous donner la grâce chaque jour, pour rendre toutes choses suffisantes pour vous. Et comme votre nom est là-bas, alors vous êtes là-bas finalement. Et alors lorsque votre nom sera appelé, vous allez répondre. Vous serez là-bas pour répondre lorsque votre nom sera appelé au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, 20. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a des gens qui n'ont pas lu toute la Bible. Ils disent que ceux qui sont vivants, que ceux qui étaient vivants lorsque Jésus était sur la terre avant qu'il n'aille à la croix, que aucun de ne tienne de nouveau, que la Pentecôte était venue et ils étaient nés de nouveau. Regardez, il parlait aux 70, il était sur la terre. Et dit ici, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce ciel, Dieu merci, vous y serez. Dieu merci, vous y serez.
C'est pour que c'est là que Jésus est allé, vous irez là-bas. C'est là que Jésus est allé et vous allez le suivre. Où est Jésus maintenant? Je dis, où est Jésus présentement? Voyons, Luc 24, verset. Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et fut enlevé au ciel. Actes des apôtres. Acte 1, verset 9. Acte 1, 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus notre sauveur, ce Jésus notre substitut, ce Jésus notre sacrifice, ce Jésus notre sanctificateur, ce Jésus notre berger, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière comme vous l'avez vu allant au ciel. Et dit là où il est, là vous serez. C'est là que vous serez. Pourrais-je entendre votre amen? Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Jean 17, 21, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que ceci soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoutez le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est-il? Je dis, où est-il? Où serez-vous? Avec qui serez-vous là-bas? Avec Jésus. Afin que ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est notre désir. C'est notre objectif. C'est la raison pour laquelle nous servons le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous sommes demeurés sauvés. C'est pourquoi nous persévérons. Parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Hébreux 11, verset 14. Hébreux 11, 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'y vais. Il dit, j'y irai. Vous serez là, nous serons là ensemble au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est pourquoi il a souffert, pour nous amener au ciel. C'est pourquoi il a souffert, pour payer l'amende de nos péchés. Il a souffert pour ôter la dépravation, le péché originel. Il a souffert
afin de nous purifier, afin de nous rendre saints, afin de nous rendre purs, prêts pour le ciel. Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce que vous voyez, vous allez le trouver. Ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Deuxième Corinthiens 5:1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes dans le corps, sur la terre. Alors, nous demeurons loin du Seigneur au ciel. C'est dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Lorsque nous quitterons ici, nous irons à l'au-delà. Nous irons au ciel. Dieu merci, je serai là. Enoch est là, vous serez là. Élie est là, vous serez là. Moïse est là, vous serez là. Après tout, Jésus est là, vous serez là, au nom de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 21. Philippiens 1, 21. Cela nous dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Alors ça va se produire un de ces jours. Ça va se produire un de ces jours. Le ciel, gloire à Dieu, vous êtes sauvé, sanctifié, vous êtes rendu saint, vous êtes juste. Alors le Seigneur vous amènera là-bas. Vous serez là-bas. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. Notre cité est au ciel. Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Dieu nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'enlèvement aura lieu à n'importe quel moment maintenant, mais Dieu merci, lorsque la trompette sonnera, alors qui sera là, qui ira au son de la trompette, vous serez là. Parce que c'est dit à 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants arrêtés pour l'avènement du Seigneur, ne devancerons pas, ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous vous en ferez partie. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Amen! Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le temps est presque là que le Seigneur lui-même descendra du ciel et va vous amener au ciel. Rappelez-vous, vous devez être sauvés. Rappelez-vous, vous devez être sanctifiés. Rappelez-vous, vous devez être gardé saint. Il n'y a pas une affaire d'avoir un pied dedans, un pied dehors, d'aujourd'hui en haut, demain en bas. Mais Dieu merci, la grâce est disponible à tout moment. La grâce est disponible maintenant et il vous donnera une grâce suffisante et abondante au nom de Jésus-Christ. Parce que 1 Corinthiens 15:51 dit, 1 Corinthiens 15:51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, dites-le moi, et nous serons changés. Vous serez changés. Vous allez sortir de ce monde. Et vous irez à ce ciel au nom de Jésus-Christ. Je serai là où êtes-vous. Je dis, je serai là où êtes-vous. Je dis, je serai là où êtes-vous. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous lever et parler au Seigneur? Il a la grâce abondante pour vous. Il a la grâce suffisante pour vous. Il nous dit que son sacrifice nous suffit. Son sacrifice est abondant. Il peut le faire. Son sacrifice est abondant. Oui, c'est l'aube d'une nouvelle aube. Une nouvelle grâce, une nouvelle force, une nouvelle distinction. Parlez au Seigneur, il le fera dans votre vie. Il va vous donner la santé. Il vous donnera la guérison. Il vous donnera la santé. Il vous donnera le ciel. Il vous donnera le cœur pur. Invoquez le Seigneur et il le confirmera dans votre vie.